Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Védoyon. Je suis directrice générale de Trajectoire Québec. C'est moi qui serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est là pour une conférence qui s'appelle Arrêtons les mauvais gestes, qui est organisée par Trajectoire en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Et en fait, cette conférence-là, c'est la première d'une série de trois conférences qui focusent sur les régions de la Montérégie, vous l'aurez compris, de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Estrie. Donc, en effet, Trajectoire, on organise ces conférences-là dans le cadre de notre projet « Des gestes qui me transportent », qui est un projet qui est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Donc, avant de vous présenter nos panélistes et de passer au vif du sujet, j'aimerais ça prendre un petit 2 minutes pour vous présenter notre organisation et notre projet. Donc, Trajectoire Québec, on est une organisation dont la mission est de faire la promotion des droits des usagers du transport collectif partout au Québec. Et à ça, on s'est ajouté une autre mission qui est de faire la promotion du transport collectif lui-même. Donc, on défend collectivement les usagers du transport collectif et on fait la promotion de la mobilité durable. Et pour nous, quand on parle de transport collectif, on parle de tout ce qui n'est pas de l'auto solo. Donc, les modes plus traditionnels, autobus, métro, train, mais aussi les modes de nouvelle mobilité qu'on appelle covoiturage, autopartage, taxi, Uber et toute autre forme nouvelle qui pourront s'ajouter à cette liste. Donc, pour remplir ces missions-là, on va déployer pour les 3 prochaines années le projet « Des gestes qui me transportent », qui va se dérouler dans les 3 régions dont je vous ai déjà parlé, l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie, l'Estrie. L'objectif de ce projet-là, c'est de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à l'impact de leurs déplacements sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du Québec. Donc, le but, dans le fond, c'est d'amener les citoyens et les citoyennes à s'impliquer avec nous afin que les services de transport collectif de leur milieu correspondent à leurs besoins et qu'ils les adoptent. Donc, chez Trajectoire, on pense qu'il y a un geste important pour réduire son impact environnemental, c'est de se tourner vers des modes de transport plus durables. Puis, on pense aussi que les gens sont prêts à changer leurs habitudes de déplacement si les options qui leur sont offertes répondent à leurs besoins. Puis c'est là que c'est pas toujours parfaitement en adéquation. Donc, on veut travailler là-dessus pour essayer que les services de transport collectif correspondent vraiment aux besoins des usagers. Donc, la première étape de ce projet, mais c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de comprendre l'impact de nos habitudes de déplacement sur les émissions de gaz à effet de serre du Québec, puis de connaître les services qui sont offerts dans notre région. Donc, pour en discuter avec nous, nous aurons d'abord M. Étienne Pomerleau-Landry, conseiller chez Copticom Stratégie et Relations publiques, qui coordonne notamment le comité de suivi de la politique de mobilité durable du Québec. Ensuite, nous aurons Mme Fanny Tremblay-Racicot, professeure adjointe en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique et directrice du Centre de recherche sur la gouvernance. Puis finalement, nous aurons Mme Judith Lavoie, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, qui va nous présenter un peu la réalité régionale, les services disponibles. Une fois que nos 3 panélistes auront terminé leur présentation, nous aurons la chance d'échanger avec eux. Donc, à ce moment-là, je vous avertirai, vous pourrez inscrire vos questions dans la section questions-réponses Q&A au haut de votre écran. Et on espère avoir amplement de temps pour prendre toutes vos questions. Gênez-vous pas. Pour accompagner nos conférences, on a préparé aussi un petit dépliant qui présente essentiellement les objectifs du Québec en matière de mobilité durable et les gestes qu'on peut poser individuellement, collectivement pour réduire l'impact environnemental de nos habitudes de déplacement. Donc, mon collègue Maxime va déposer le lien à l'instant dans le chat. Vous l'aurez dans quelques instants, vous pourrez aller voir ça. C'est aussi disponible sur notre site web. Donc, on est maintenant rendu au vrai moment, au moment de la conférence, celui pour lequel vous vous êtes déplacé. Donc, notre premier intervenant, c'est M. Étienne Pomerleau-Landry. On a convenu entre nous de s'appeler par nos prénoms, alors je l'appellerai Étienne pour la suite de la conférence. Donc, Étienne est conseiller en relations publiques avec une solide expérience de gestionnaire en communication et en politique publique. Il a œuvré pendant 5 ans à titre de conseiller politique, d'abord au gouvernement du Québec, au cabinet du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, puis après, puis auprès du chef et des élus de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Il a été rédacteur de multiples positionnements stratégiques en matière énergétique, environnementale, de mobilité durable, d'électrification et de lutte contre les changements climatiques. Conseiller chez Copticom Stratégie et Relations publiques depuis plus de 3 ans, il agit à titre d'expert en matière de politique publique et coordonnateur de plusieurs groupes et coalitions dont les membres sont issus des milieux économiques, syndicales, sociales, environnementales, académiques, philanthropiques et qui visent la transformation durable de la société québécoise. Il est le coordonnateur des travaux du Comité de suivi de la politique de mobilité durable 2030, qui est composé d'une 20aine d'organisations et d'experts de la société civile œuvrant dans le secteur de la mobilité. C'est à ce titre-là qu'il a été invité aujourd'hui. Donc, Étienne, la parole est à toi. Je vais cesser mon partage d'écran et je t'inviterai à partager le tien. Merci beaucoup. Merci Sarah, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Puis
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation et de vous intéresser justement à la mobilité durable parce que justement ce que je vais vous présenter dans les 8 prochaines minutes, c'est un comité qui travaille de près avec le gouvernement du Québec, avec le ministère des Transports du Québec pour suivre l'évolution de la politique de mobilité durable 2030. Donc, ce que je vais vous présenter au cours des 8 prochaines minutes, c'est l'état des grands objectifs que le Québec s'est donné il y a quelques années. Sarah y a fait brièvement allusion. On va regarder ensemble les objectifs et quelles sont un peu les conditions gagnantes pour que dans les prochaines années, on y arrive à ces objectifs-là. Donc, premièrement, mais c'est quoi le comité de suivi de la politique de mobilité durable? Comment est-ce qu'au Québec, on a conçu notre politique de mobilité durable? Vous voyez les organisations qui sont à l'écran, ce sont une vingtaine d'organisations qui sont issues de tous les secteurs de la mobilité qui, en 2017, ont élaboré avec le gouvernement du Québec la première politique de mobilité durable avec des grands objectifs, disons. Ce n'est pas la première tout à fait. En 2013, il y en avait déjà une, mais en 2018, vraiment, elle a été structurante pour l'ensemble du gouvernement. C'est une politique qui est gouvernementale et ces organisations allant de groupes environnementaux aux organisations de sociétés de transport, en passant par des experts en matière de transport des marchandises, des experts universitaires aussi. Donc, vous avez là-dedans un vaste spectre du secteur de la mobilité. Le mandat du comité à l'époque consultatif était d'élaborer la politique de mobilité durable. Et lorsque la politique est sortie, il y a eu un changement de gouvernement, la CAQ est arrivée au pouvoir et au début 2019, le comité consultatif est devenu un comité de suivi pour suivre la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 2030. Ça, c'est la grande politique qui, dans le fond, est dotée de plusieurs objectifs que je vais voir avec vous dans les prochaines minutes. Le mandat du comité de suivi que Copticom, donc ma firme, coordonne. Et le suivant, vous avez les 4 picots qui sont en bas de cette diapo, c'est d'informer évidemment les organisations membres que vous voyez à l'écran des avancées de la PMD. Donc, le ministère informe ces organisations-là et vont recueillir les besoins des acteurs de la mobilité. Le rôle du comité de suivi, c'est aussi de contribuer au succès et au suivi de sa mise en œuvre, de voir si les indicateurs sont au vert ou s'ils sont au jaune ou s'ils sont au rouge. On en parlera tout à l'heure parce que la question des indicateurs est fondamentale. Et c'est également d'assurer une veille sur les innovations en matière de mobilité et de transport, notamment sur la question du financement. On va en parler également, c'est une des conditions gagnantes pour arriver à atteindre nos objectifs. Et puis enfin, c'est d'organiser à chaque année avec le MTQ un forum annuel de la PMD. La PMD, donc la politique de mobilité durable, c'est un forum annuel qui permet un peu de brasser les idées, de nous mettre à jour sur où en est la PMD. C'est un effort de mobilisation aussi des organisations de la mobilité durable. Qu'est-ce que c'est cette politique de mobilité durable? C'est une politique, donc, que j'ai dit, qui a été co-construite par les organisations de la société civile avec le gouvernement du Québec. Et c'est une vision qui se veut vraiment intégrée et qui a au cœur de ses objectifs d'améliorer le sort de l'usager, de l'usagère en transport. Donc, c'est pour ça que vous avez le logo, enfin, pas le logo, mais le diagramme à droite. L'usager, l'usagère se trouve au centre. Et autour de ça, on a un écosystème, donc, d'actions qui sont menées à la fois en matière d'avoir un aménagement durable du territoire, d'avoir des services de transport collectif qui soient performants, d'avoir un transport de marchandises qui répondent pour permettre une plus grande fluidité des transports de marchandises. Bref, c'est une politique de mobilité durable qui est complètement intégrée et qui touche à tous les cadres d'intervention de la mobilité au Québec. La vision que vous avez en bas à gauche de l'écran, c'est vraiment le résumé de ce que la politique de mobilité durable souhaite accomplir d'ici la fin donc de sa vie utile en 2030. Le Québec est un leader, en 2030, le Québec est un leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 21e siècle. Sur un territoire aménagé dans une perspective de mobilité durable, il dispose d'un écosystème des transports performants, sécuritaires, connectés et sobres en carbone qui contribue à la prospérité du Québec et répond aux besoins des citoyens et des entreprises. Vaste mandat. La PMD 2030 vise un tas d'objectifs. On va en parler dans quelques secondes. Elle vise aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais toutes les régions du Québec. Donc, ce n'est pas juste les zones urbaines, pas seulement périurbaines, mais aussi rurales. Donc, le mandat est très vaste et la commande était grande pour le MTQ et pour ses partenaires ministériels d'accomplir cette politique. C'est quoi, l'approche et le leitmotiv de cette politique-là, c'est l'approche réduire, transférer, améliorer. Parce que en matière de mobilité durable,
il y a une méthode qui est éprouvée scientifiquement, qui est reconnue de manière internationale pour pouvoir avoir des bonnes actions en matière de mobilité. C'est l'approche réduire, transférer, améliorer. Et cet ordre-là est une hiérarchie des actions qui vise à optimiser nos interventions pour qu'elles aient un impact économique, social et environnemental optimal. C'est d'abord de réduire les déplacements motorisés. Donc, les actions qui sont mises en œuvre par la politique de mobilité durable doivent d'abord réduire les déplacements motorisés ou les distances à parcourir pour répondre aux différents besoins de mobilité. Et ça, ça passe par quoi? Essentiellement par une meilleure intégration de la planification du territoire et des transports. On ne peut pas construire des systèmes de transport collectif si on n'est pas arrimé avec comment est-ce qu'on développe les villes au Québec, comment est-ce qu'on les aménage. Donc, ce premier axe, c'est celui qui est prioritaire, c'est de réduire nos déplacements. Le deuxième, et là, c'est transférer les déplacements vers des moyens de transport moins énergivores et qui se traduisent par de plus faibles émissions de GES, comme le transport collectif et actif. Ça, c'est par exemple une des missions fondamentales de Trajectoire Québec, c'est d'aller amener les usagers dans les transports collectifs qui soient performants pour aider les usagers et les usagères. Mais ça, c'est le deuxième axe fondamental. Puis le troisième, c'est améliorer. Et ça, c'est tout ce qui concerne l'efficacité des véhicules en réduisant leur empreinte carbone. On parle notamment de l'électrification des transports. On parle d'améliorer l'efficacité des véhicules et ça permet de réduire le coût des ménages, la qualité du transport, la sécurité du transport. Donc, très important, c'est vraiment l'approche qu'on martèle auprès du gouvernement comme comité de suivi parce qu'elle a son importance. Pour l'instant, dans la mise en œuvre et le suivi de la PMD, c'est très vaste. Vous allez le voir, il y a 181 mesures qui sont dans le plan d'action de cette politique de mobilité durable. 11 cadres d'intervention, vous les avez à droite. Je ne vais pas passer à travers chacune d'entre elles, mais vous voyez, ça touche à tout, là, allant des nouvelles mobilités, comme par exemple les trottinettes électriques, en passant par le transport collectif, transport actif, le transport des marchandises, évidemment. 6 ministères et organismes sont mobilisés. Évidemment, le MTQ est central, mais vous avez aussi, bon là, il y a des acronymes, mais vous avez le MAMH, donc le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous avez le ministère de l'Environnement, vous avez celui de l'Énergie et des Ressources naturelles, de l'Économie et de l'Innovation, puis enfin la Société québécoise des infrastructures. Vous voyez qu'actuellement, selon le dernier état de situation qui est au 31 décembre 2020, on devrait avoir plus de données au 31 mars 2021 au cours des prochaines semaines. On est en ce moment dans une mise en œuvre qui va quand même relativement bien, mais le ministère ne cache rien à ce niveau-là. La pandémie a eu un impact majeur sur la livraison des mesures. Donc, essentiellement, on a pris un retard qui se chiffre à peu près en une année. Et donc, il y a un rattrapage à faire, il y a des actions supplémentaires à faire et le ministère travaille en ce moment pour mettre à jour son plan d'action pour s'assurer qu'on livre la marchandise au niveau des cibles. Quelles sont ces cibles? Il y en a 10. La cible numéro 1, 70% de la population québécoise a accès à au moins 4 services de mobilité. Ces chiffres-là, vous les voyez, c'est au 31 décembre 2020. On est dans une situation où on cible, on est à 51% de la population québécoise, on cible 70%. Donc, on est encore un écart par rapport à ce qu'on devrait atteindre. La cible numéro 2, réduction de 20% du temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail. On vise moins 20% en 2030. La situation sera mise à jour, malheureusement, seulement en 2023. Ça pose toute la question des indicateurs. Les indicateurs au sein du ministère des Transports ne sont pas nécessairement à jour ou en tout cas, des fois, ont des écarts de publication qui sont de l'ordre de 5 ans. Donc, difficile de faire l'évaluation de où on en est rendu, mais c'est ce qu'on a comme données les plus à jour. Cible numéro 3, réduction de 25% du nombre d'accidents mortels avec blessés graves par rapport à 2017. On cible moins 25% d'ici 2030. On est rendu à moins 11%. C'est une diminution de 20% de la part des déplacements effectués en auto-solo à l'échelle nationale. La cible est de moins 20%. Là, on a une augmentation. En tout cas, le dernier chiffre qu'on avait, c'était en 2016, plus 1,8%. Donc, mauvaise direction pour cet indicateur-là. Excusez-moi, mon ordinateur. Voilà. Cible numéro 5, réduction de 40% de la consommation de pétrole. On sait que c'est un indicateur fort important. On veut atteindre nos objectifs climatiques au Québec. Le pétrole, la réduction de la consommation de pétrole va être un des leviers critiques pour atteindre cet objectif. On cible moins 40% de consommation de pétrole dans le secteur des transports par rapport à 2013.
Et là, ben, on a une augmentation. On le sait que le nombre de véhicules a augmenté sur les routes. On n'avance pas dans la bonne direction à ce niveau-ci, donc il va falloir corriger la situation si on veut atteindre un objectif de 2030. À noter quand même que c'est 2017, mais compte tenu des tendances qui se sont développées, on peut croire qu'il n'y a probablement pas eu d'amélioration notable à ce niveau-là. Cible numéro 6, réduction de 37,5% des émissions de GES dans le secteur des transports sous le niveau de 90. Et vous noterez que c'est la même cible, donc la cible globale du Québec, la cible climatique d'ici 2030. Donc, pour le secteur des transports, la cible de la PMD, c'est exactement la même. Et là, effectivement, on est vraiment là dans un tout autre registre. On est à plus de 29 %. On est vraiment en décalage par rapport à ce qu'on devrait atteindre. Donc là, vraiment, on est dans le rouge ici. Il y a vraiment des actions correctrices à poser de la part du gouvernement du Québec. Cible numéro 7, là, ça touche davantage le secteur du transport des marchandises. C'est atteindre en 2030 un chiffre de 15 milliards de ventes annuelles pour le secteur québécois des équipements de transport terrestre. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis 2018. C'est un élément que le comité de suivi tente de suivre davantage auprès du MTQ, mais il n'y a pas eu davantage de nouvelles. On va faire le suivi avec le ministère. Cible numéro 8, augmentation de 25 % des tonnages de marchandises transbordées dans les ports et les centres intermodaux ferroviaires du Québec. Encore là, une cible d'augmentation de 25 %. On est à 4 % à peu près à 9 ans de la cible. Il y a encore du travail à faire pour y arriver. Et enfin, les deux dernières cibles. Vous voyez la cible numéro 9, aucun indicateur pour cette cible. La réduction des coûts associés à la congestion pour les entreprises des régions métropolitaines de Montréal et Québec, le MTQ. Je dirais pas lâcher la serviette là-dessus, mais en tout cas, il n'y a toujours pas d'indicateurs qui nous permettent de savoir si on est dans la bonne direction. Il y a des travaux probablement qui sont en cours, mais depuis maintenant, le départ de la PMD, il n'y a pas d'indicateurs encore identifiés par le MTQ. Enfin, cible 10, réduction de 20 % des dépenses brutes des ménages allouées au transport. On parle de moins 20 %, toujours pas de mise à jour depuis 2017-2018. Je ne sais pas si ça va, il me reste combien de temps pour ma présentation. Est-ce que j'ai dépassé déjà? J'avoue que je ne suis pas assidue sur le minutage. S'il te reste des choses à dire, continue de parler. On va sortir. C'est la dernière diapo. Bon, c'est la dernière diapo. Je voulais vous parler un peu au-delà des chiffres là, de qu'est-ce qui est important pour la politique de mobilité durable. Comment est-ce qu'on va faire pour au Québec atteindre nos cibles puis pour pouvoir dire qu'autour de nous, on a des systèmes performants de transport collectif, transport actif, transport des marchandises. Et qu'on a une société qui atteint la vision dont je vous ai parlé au début. Il y a trois grands piliers qui ont été identifiés par je dirais, le comité de suivi. Je les résume beaucoup parce qu'il y en a plus en réalité, mais on parle ici de trois grandes cibles. La gouvernance, le financement et la mobilisation des citoyens, des entreprises. Cette dernière est particulièrement importante pour Trajectoire Québec, mais c'est sûr que pour la gouvernance, on commence avec ça. C'est qu'actuellement, le ministère des Transports n'a pas une idée clair de la contribution des mesures de la politique de mobilité durable aux grandes cibles de la PMD. Ça, c'est un élément qui ressort de nos analyses et des rapports qui sortent, c'est qu'on a beau avoir 181 mesures qui contribuent à un objectif global, à des objectifs globaux, devrais-je dire, il y en a 10. On ne sait pas si telle mesure contribue plus qu'une autre. On a une certaine idée, mais des fois, elle est qualifiée, des fois, elle est quantifiée, des fois, elle est ni quantifiée ni qualifiée. Donc, il y a à savoir qu'est-ce qu'on met de l'avant en priorité. Ben, normalement, on devrait mettre qu'est-ce qui a le plus d'impact, mais des fois, on ne le sait pas, c'est quoi qui a le plus d'impact. Donc, là-dessus, on travaille avec le MTQ pour s'assurer que dans les prochaines mises à jour du plan d'action de la politique de mobilité durable, qu'on ait une tendance à mieux quantifier l'impact de nos mesures. L'autre affaire qui est super importante, c'est l'arrimage des politiques gouvernementales. C'est sûr que quand on a un plan d'action sur les changements climatiques qui sort, on doit s'assurer qu'il soit arrimé à la politique de mobilité durable. Même chose, il y a une stratégie qui va s'en venir dans quelques semaines, quelques mois, sur l'aménagement des territoires. Est-ce qu'il y a eu un arrimage entre les ministères? Souvent, le gouvernement du Québec fonctionne, on le sait, le dicton dit « travaille en silo ». Il faut que ça change pour que ça puisse créer des synergies entre les ministères et leurs politiques. Deuxième axe, le financement. Faut pas se le cacher, plus on s'en va vers l'électrification des transports, moins il y aura de taxes sur les carburants qui vont être récoltées par le gouvernement. Et ces taxes sur les carburants, c'est la base du financement de bon nombre de fonds qui visent à améliorer l'état des transports au Québec. Si on s'en va vers moins de taxes sur les carburants, ça veut dire qu'il va y avoir un manque à gagner pour pouvoir financer les actions de la politique de mobilité durable. Il va falloir de nouvelles sources de financement.
Donc, le gouvernement a mis en place un chantier sur le financement de la mobilité. Il vient de s'achever il y a quelques jours, vendredi dernier, par un communiqué qui mentionnait que d'autres analyses étaient nécessaires d'ici début 2023 pour s'assurer que les nouvelles sources de financement soient équitables pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de discrimination entre les régions, etc. Mais c'est fondamental, si le Québec n'adopte pas de nouvelles sources de financement, il va frapper un mur en termes de financement. D'autres affaires, la réforme du financement des réseaux de transport routier, transport collectif, il y a des municipalités qui ont encore des avantages à développer les routes plutôt qu'à développer le transport collectif. C'est un problème souvent qui vient des règles de financement des infrastructures et il y a à changer ce deux poids, deux mesures qui favorise encore le transport du 20e siècle. Finalement, le MTQ a besoin d'avoir davantage de ressources. Ça peut paraître un peu technocratique là-dessus, mais si on veut mettre en place des mesures qui soient structurantes, développer des programmes, aider les citoyens à se déplacer, il faut que le gouvernement ait les experts au sein de son ministère et donc il faut plus de ressources humaines et financières au sein du ministère des Transports. Dernière chose, la mobilisation des citoyens, ça prend de la mobilisation. Les gens ont besoin de se faire rassurer sur la sécurité des transports. On le voit dans la pandémie à quel point la STM, par exemple, fait des efforts pour essayer d'attirer le monde pour qu'ils reprennent le transport collectif. Ces campagnes de publicité qu'on peut voir sur YouTube ou dans différents médias doivent aussi se faire de façon plus large pour viser les gens pour qu'ils adoptent des véhicules électriques, pour qu'ils se transportent en vélo ou à pied ou en transport collectif. Il y a une vraie stratégie de mobilisation pour changer les comportements qui est nécessaire. Le MTQ, il travaille avec l'ensemble du gouvernement. Il va falloir certainement faire plus pour faire changer les comportements des gens. Puis enfin, on en parle souvent, mais l'exemplarité de l'État, montrer par l'exemple, ça aide à faire changer les comportements, puis à mobiliser. L'État doit lui-même convertir ses flottes à l'électricité plus rapidement. Il doit aussi donc travailler à ce que les bornes de recharge, ou peu importe les types d'exemplarité qu'on peut imaginer, par exemple avoir une directive qui dirait que les ministères et organismes soient localisés dans les centres-villes plutôt qu'aux arbres des autoroutes, c'est une façon aussi de mieux aménager le territoire et ça passe peut-être d'abord par une SAQ, par une RAMQ, par un autre édifice gouvernemental pour donner l'exemple en matière d'aménagement du territoire. Donc voilà, je vais arrêter de parler, il y a beaucoup de choses qui sont dites et je vous remercie, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Étienne. On va passer tout de suite à notre deuxième intervenante, Mme Fanny Tremblay-Racicot, puis on va prendre des questions à la toute fin après les trois intervenants. Donc, Mme Tremblay-Racicot est professeure adjointe en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique et directrice du Centre de recherche sur la gouvernance. Son programme de recherche porte sur les réformes institutionnelles, les instruments de politique publique et les stratégies de gestion permettant d'atteindre des objectifs de développement urbain durable. Co-auteur de l'ouvrage « Governance and Sustainable Transport in the Americas », ses travaux de recherche portent notamment sur l'abordabilité des « Transit-Oriented Developments », les TOD qu'on appelle, sur la priorisation des infrastructures de transport collectif et sur l'utilisation des mesures d'éco-fiscalité au palier local et régional. Donc, Mme Tremblay-Racicot a également œuvré dans diverses organisations publiques et parapubliques, notamment l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le Tribunal administratif du Québec, les ministères de l'Environnement du Québec et de l'Alberta, le cabinet de l'opposition officielle à la Ville de Québec et la Delaware Valley Regional Planning Commission. Ça fait long comme CV. Donc, Fanny, on vous écoute. La parole est à vous. Désolée pour la longue bio. Merci, Sarah. Merci, Trajectoire, pour l'invitation. Merci, Étienne, pour la présentation. Fascinant, tout ça. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Donc, on m'a demandé de présenter les liens entre les transports et l'aménagement et la contribution des transports au bilan des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est certain que c'est un peu plus, c'est vraiment les assises scientifiques, théoriques derrière, par exemple, la PMD, politique de mobilité durable. Donc, c'est important de comprendre ces interrelations-là pour pouvoir bien intervenir sur le territoire. Donc, voilà, je vais essayer de pas trop utiliser d'anglicisme. Désolée pour le Q&A de tout à l'heure. On va faire le maximum pour rester en français. Donc,
Ici, là, si on regarde, vous connaissez probablement ces données-là, mais c'est l'inventaire des GES au Québec, l'inventaire 2018 qui est le plus récent. Donc, ça trace l'évolution des émissions depuis 1990. Puis, vous savez sans doute que les transports, c'est la plus grande source d'émissions de GES au Québec parce qu'on est chanceux, car notre électricité provient de l'hydroélectricité. Donc, le transport, ça représente 43 % de nos émissions. Puis, si on va plus en détail, là, dans l'évolution des émissions de 90 et 2016. Les transports, c'est vraiment un secteur qui est hors de contrôle. Donc, globalement, on a réussi depuis 90 à baisser nos émissions d'environ 8, je pense, c'est des pourcentages. Je pense que c'est des pourcentages, mais je ne suis pas certaine maintenant que vous me posez la question. Donc, le secteur des transports, c'est avec l'agriculture, c'est vraiment le seul secteur qui est pas contrôlé là, du point de vue de la croissance des émissions. Puis si on regarde encore plus en détail ici, on voit que ça, c'est pour l'évolution des émissions de GES dans le secteur des transports en général. Puis on voit que c'est le transport routier qui est la plus grande contribution au bilan des émissions de GES. Provenant des transports. Puis si vous me demandez quelle est la barre en noir, les autres transports, c'est les émissions fugitives qui sont liées au transport du pétrole, donc les pipelines. Il y a des sources d'émissions, donc ça, c'est les autres sources. Puis si on regarde encore plus dans le détail, pour le transport routier, vous voyez que ce qui est dans plus le gris foncé, le plus foncé, c'est les automobiles. Donc, on voit que c'est stable, ça a même tendance à diminuer. Pourquoi? Parce que le gris moyen, parce que les gens choisissent des camions légers. Donc, les gens choisissent d'acheter des pick-up, des minivans, des SUV, des VUS. Donc, c'est vraiment une question de choix de consommateur. Puis ces choix-là sont conditionnés essentiellement par le prix, par les préférences, par la pub, par... Donc là, si on veut calibrer les interventions publiques pour les choix de consommateurs, ben il faut réfléchir au fait que il y a vraiment un changement dans les préférences de consommation pour l'achat de véhicules. Et ce qui est encore plus dramatique comme croissance, c'est les véhicules lourds, c'est le camionnage. Il y a vraiment une explosion des émissions qui sont liées au camionnage. Puis ça, c'est essentiellement dû au commerce électronique. Donc, puis le commerce électronique, en plus, nuit aux sources de financement des municipalités parce que le commerce est davantage délocalisé. Donc, ça aussi, il y a une question de préférence et de choix de consommateurs. Puis ce sont des choix qui sont conditionnés. Donc, ça met la table sur les sources d'émissions, plus particulièrement qui proviennent des transports. Puis si je parle de l'interrelation entre le transport et l'aménagement, ici, je vais déconstruire là, ce graphique-là, ce tableau-là. Donc, les investissements et les politiques en transport influencent le développement du territoire. Le développement du territoire influence les investissements en transport. Les investissements en transport ont une influence sur les habitudes de transport et le développement du territoire influence les habitudes de transport. Donc, si on... Puis il n'y a pas de relation des habitudes de transport vers le développement du territoire parce que ça passe essentiellement par les investissements et les politiques de transport qui influencent les patterns, pas les patterns, mais j'essaie de trouver un autre mot, mais les patterns de développement du territoire. Donc, si on regarde la première relation, le lien entre les investissements en transport, en infrastructure et le développement du territoire, il y a un développement immobilier induit qui se produit lorsqu'on investit dans le transport essentiellement routier, les autoroutes. Donc, à l'époque des années 60-70 au Québec, lorsqu'on a investi dans le réseau autoroutier, ça a permis le développement des banlieues de première, de deuxième, de troisième couronne. Mais aujourd'hui, lorsqu'on investit dans le réseau routier, oui, ça a une influence sur le développement immobilier, mais c'est un développement qui se serait fait ailleurs dans le territoire. Donc, c'est un peu un jeu à somme nulle. Donc, mais ça favorise effectivement un développement qui est de plus faible densité. Donc, ça favorise les banlieues au profit des villes-centres. Ça contribue au phénomène du trou de beigne, de l'évidement des villes-centres vers les banlieues.
Puis ça, le développement autoroutier attire aussi un développement non résidentiel, c'est-à-dire que les entreprises manufacturières qui fabriquent des biens lourds vont s'installer proche des autoroutes pour avoir un accès plus facilement à ces routes-là. Donc, les entreprises de production de biens lourds sont attirées par les autoroutes et ça peut, tous ces investissements-là peuvent essentiellement nuire à la productivité régionale parce que c'est moins efficace là, comme type de développement, c'est moins compact, donc ça a un impact sur les dépenses des gouvernements. Maintenant, si on regarde l'impact du développement du territoire sur les habitudes de transport des individus, donc ici, vous avez la chaîne causale. Donc, vous avez les émissions de GES à votre droite, les émissions qui proviennent des transports, puis l'aménagement et le design à votre gauche. Donc, la densité, la mixité. Donc, quand on parle de mixité, c'est une proximité dans le même building, dans le même bâtiment ou dans les bâtiments autour de commerce, d'emploi, de résidence. Donc, la mixité, la densité, tous ces éléments-là, ils co-varient. Et ça a une influence sur le kilomètre parcouru par véhicule. Donc, plus c'est dense, moins les gens utilisent leur voiture. Donc, la fréquence et la distance des déplacements. Donc, tout ça, ça influence les kilomètres parcourus par véhicule. Donc, le nombre de véhicules, le choix modal, la fréquence et la distance des déplacements. Puis, si on prend ces éléments-là en combinaison avec l'efficacité énergétique des véhicules et la teneur en carbone du carburant, ça vient influencer les émissions de CO2 qui proviennent des transports. Donc, ça, c'est l'impact de l'aménagement et du design sur le kilomètre parcouru par les véhicules. Puis, c'est la fréquence des déplacements, c'est une fonction des caractéristiques socio-économiques des ménages et du cadre bâti. Donc, plus on est riche, plus on se déplace, mais c'est aussi une fonction de la densité. La distance, c'est d'abord une fonction de la densité, puis une fonction de la richesse aussi des ménages. Puis le choix modal, c'est les deux. C'est influencé à la fois par le revenu et aussi par le niveau de densité. Donc, plus on est riche, moins c'est dense, plus on se déplace. Donc, la fréquence et la distance des déplacements aussi. Maintenant, la dernière relation, celle dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la demande induite en transport. Donc, l'impact des investissements en transport routier sur les habitudes de transport. Donc, historiquement, les gouvernements, lorsqu'ils font face au problème de la congestion, ils vont utiliser les études disant qu'il y a des impacts financiers de la congestion pour justifier la croissance du réseau autoroutier. Donc, on va ajouter des voies pour réduire la congestion. C'est la logique. Donc, on va augmenter l'espace pour réduire la congestion. Oui, OK, à court terme, mais à partir de 3 à 5 ans, on revient à des niveaux de congestion qui sont égaux ou supérieurs au niveau de congestion antécédent. Puis, c'est ce qu'on appelle la demande induite. Donc, si c'est vraiment un équilibrage quasi naturel, on appelle ça la loi fondamentale de la congestion routière. Ça a été observé d'abord sur les réseaux autoroutiers, puis dans les routes urbaines, dans plusieurs pays, plusieurs conditions climatiques, géographiques, dans le temps. Donc, ça, c'est une loi fondamentale, là, c'est mathématique. Il y a une augmentation quasiment égale. Donc, c'est du 1 pour 1 là, pour ce qui est des. On augmente de X pour cent, donc l'élasticité de 1, on augmente de X pour cent la capacité du réseau et on va augmenter le trafic du même niveau dans les 3 à 5 ans. Et quand on regarde encore de manière plus fine la source de la demande induite, c'est de 1, il y a une augmentation du camionnage. Puis on sait que le camionnage, c'est une des premières sources de contribution des émissions de GES provenant des transports. Ensuite, les gens, ils changent leurs habitudes de déplacement, puis leurs préférences. Donc, au lieu de prendre le bus, ils vont prendre la voiture ou ils vont changer d'horaire. Au lieu de partir à 6 heures le matin, ils vont partir à 8 heures. Donc, ils vont prendre ces choix-là à court terme. Ensuite, il y a l'étalement urbain. Puis finalement, il y a la déviation d'autres voies. Donc la demande induite provient de 4 sources. Donc, à court terme, on dégage de l'espace et à moyen et long terme, ça va être comblé par cette nouvelle demande-là. Et en plus de ça, il y a le paradoxe de Brest, c'est un peu le dilemme du prisonnier, c'est que tout le monde fait des choix en fonction de la maximisation de ses préférences personnelles, sans égard aux choix des autres. Ça fait en sorte qu'on peut avoir même une croissance de la congestion suite à la nouvelle infrastructure et c'est ce qu'on observe. Le meilleur exemple, c'est le Katy Freeway à Houston. Donc, depuis, là, il y a eu un dernier élargissement
Donc, 3 ans après le dernier élargissement, il y a eu une augmentation des temps de déplacement de 30 % le matin et de 50 % l'après-midi. Donc, c'est vraiment pas faux comprendre ça. Puis historiquement, là, c'est au Québec, c'est puis dans les ministères des Transports, c'est le predict and provide. Donc, on planifie tout le temps une croissance du réseau autoroutier sans réfléchir à plus long terme des impacts sur la congestion puis l'utilisation de la voiture personnelle. Maintenant, si on regarde les solutions, donc traditionnellement, on est dans la gestion de l'offre, donc on augmente l'offre autoroutière ou on augmente l'offre de transport collectif pour avoir un transfert modal. Il y a aussi toutes les solutions de la gestion de la demande. Donc, comment on va gérer la demande? C'est avec, tu sais, c'est toute l'approche RTA, c'est le R, c'est réduire la demande en transport. Donc, toutes les stratégies d'aménagement du territoire, le télétravail, ces éléments-là, la tarification aussi, là, donc avoir des mesures éco-fiscales. Puis, il y a des stratégies tactiques politiques multiples. Il y a Diane Davis, qui est du Harvard School of Design, qui a étudié dans le monde les innovations en transport dans les villes qui ont été adoptées, quel a été le rôle du leadership politique, puis elle a découvert qu'il y a plusieurs tactiques et stratégies qui pouvaient être mises en place et qu'il n'y a pas une seule voie vers le succès, mais qu'il y en a plusieurs. Donc, l'ouverture de fenêtres d'opportunité, c'est quoi une fenêtre d'opportunité? C'est quand tu as la solution au problème et que tu as une conjoncture politique favorable, donc la question de timing, le recours à l'expertise technique pour documenter les bénéfices, les projets pilotes, même chose pour documenter les bénéfices, choix et habilitation des alliés, donc par exemple, utiliser des organisations non gouvernementales pour faire passer des messages, ça fait partie des solutions, cadrage favorable des enjeux, parfois c'est pas nécessairement l'argument environnemental qui va faire en sorte qu'une politique passe, mais l'argument économique, donc la saine gestion des finances publiques, compenser les inconvénients, comme par exemple l'exemple des gilets jaunes en Europe, c'est un bon exemple, on a augmenté la taxe sur l'essence, sans penser au fait qu'il y avait des gens qui n'ont pas le choix de se déplacer. Donc là, tu vas avoir une résistance de la population. Donc, lorsque, par exemple, les villes au Québec font une taxe sur les espaces de stationnement, bien, elles vont seulement le faire dans les centres-villes, là où il y a déjà des transports collectifs, là, une offre de transports collectifs, donc les gens ont le choix. Puis le travail multiniveau, évidemment. Et finalement, tout ça pour dire qu'il faut persévérer parce que l'appui public au support, l'appui public aux innovations, ben ça fluctue dans le temps au fur et à mesure qu'on voit les bénéfices qui sont associés à une initiative. Donc voici un crash course sur les liens entre les transports et l'aménagement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fanny. On va passer à notre dernière intervenante. C'est très instructif. On voit déjà les questions qui commencent à rentrer. On va avoir le temps d'y revenir, mais avant, je vais passer la parole à Judith Lavoie du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, Madame Lavoie est détentrice d'un baccalauréat en arts de l'Université McGill et d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. À titre de chargée de projet en mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, elle pilote notamment les campagnes Embarque Montérégie, Pour ma mobilité, et l'attestation de stationnement éco-responsable. Donc, Judith, la parole est à vous. Merci. Bon, là, c'est moi qui présente, j'ai chaud tout d'un coup. Mais merci beaucoup, Trajectoire, de nous avoir interpellés pour avoir des démarches là en Montérégie. On est très contents. Merci aussi, j'ai vu qu'il y a quelques participants qu'on se connaît, donc les autres, je vais être enchantée de discuter de mobilité durable en Montérégie avec vous. Merci aux deux intervenants. Avant, justement, moi, je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit en amenant un peu là, concrètement à Montérégie, qu'est-ce qui se passe? Mais avant, qu'est-ce que le CRE Montérégie, peut-être en 2-3 mots, donc le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, qu'on surnomme plus facilement le CRE Montérégie, mais on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1989, vraiment aux besoins qu'il y avait là, de concertation pour favoriser le développement durable et la protection de l'environnement. Donc, on est vraiment une table de concertation. Nos administrateurs sont vraiment de tous les milieux. On fait attention d'avoir communautaires, municipales, agriculture, entreprises, milieux des affaires, donc tout ça. Puis, c'est aussi pour ça qu'on œuvre dans plusieurs choses. Donc, moi, je suis la seule en mobilité durable. On a une toute petite équipe en aménagement du territoire, mais on travaille beaucoup aussi en protection des milieux naturels, en changement climatique, bien, lutte au changement climatique. On ne travaille pas pour le changement climatique, je veux que ça soit clair.
Puis aussi beaucoup en gestion des matières résiduelles. Donc, on a vraiment des gros projets en économie circulaire, par exemple. Notre territoire, la Montérégie, juste amené, même moi, j'ai grandi en Montérégie, je ne savais pas à combien, j'ai pas toujours su les limites, donc je ramène un peu ça. C'est quand même maintenant 12 MRC plus l'agglomération de Longueuil, donc 12 parce que cet été, on a vu la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi qui nous ont quittés, qui étaient avec nous depuis 10-15 ans. C'est aussi la deuxième région administrative la plus peuplée après l'île de Montréal. Donc, on parle de 1 600 000 habitants. Puis, c'est quand même grand aussi. On parle de 11 000 km² environ. Ce qui amène aussi, vous allez voir dans le territoire, là, une grande diversité. Donc, on a cinq de nos villes qui sont parmi les 20 plus peuplées au Québec, mais on a quand même un taux de personnes en milieu rural là, autour de 17%, 16,5%, qui au Québec au complet est 18%. Donc, on est vraiment un gros mix en milieu très urbanisé et très rural aussi, ce qui amène ces défis. Parlons de l'évolution du territoire. Comme on a vu, l'aménagement du territoire amène tous ces défis. Et la Montérégie s'est vraiment exactement développée, là, comme Fanny disait. En 1930, début de l'urbanisation, nous, on a le pont Jacques-Cartier qui est arrivé, qui a fait en sorte que ça l'ouvrait vraiment un nouveau territoire, des nouvelles entreprises qui sont venues s'installer et donc des milieux ouvriers qui ont commencé. En 1960, on l'a vu, c'est le développement de la culture de la voiture. Donc, maintenant que tout le monde a une voiture, ou presque tout le monde peut en avoir, et on ouvre le territoire, on est capable d'aller s'installer. Puis, depuis le début des années 2000, la Montérégie connaît une croissance démographique pas constante, mais quand même toujours en haut de la moyenne québécoise ou presque. Donc, ce qui amène aussi vraiment beaucoup de nouveaux quartiers et des quartiers qui sont bâtis. J'ai pas nommé, j'espère que vous ne pouvez pas revoir exactement c'est où, mais ceci est en Montérégie, donc on arrive sur des milieux des terres agricoles. On bâtit des nouveaux quartiers, comme vous pouvez le voir là en 2017, le nouveau quartier. Ça reste des rues qui sont quand même étroites, qui font des petites courbes et qui, pour un autobus, juste faire cette courbe-là pour ramasser peut-être 3-4 personnes, mais c'est très compliqué. Donc, on continue à bâtir notre territoire toujours vers un modèle unifamilial, puis souvent avec des contraintes pour le transport durable, la mobilité durable qui impacte vraiment le choix des gens. Aussi, là, avec ça, on est là. Ah, c'est compliqué déjà, mais la division de notre territoire fait que c'est aussi super compliqué, comme je vous parlais. Tantôt de milieu plus urbanisé et rural, mais notre territoire, nous, est scindé en deux tant qu'on parle de MTQ. Donc, si on veut créer un projet routier, il faut vraiment de la concertation, non seulement avec le MTQ, mais souvent avec deux parties du MTQ. Donc, vous avez en vert tout ce qui est la communauté métropolitaine de Montréal, qui, elle, est gérée par un MTQ, qui est gérée aussi par un plan d'aménagement du territoire qui est avec vraiment plein de mesures et après, c'est vraiment plus flou. On a aussi ce territoire en vert-là qui coupe même des fois des MRC, mais qui est desservi par la RTM, donc EXO ou la RTL, et puis qui, ça amène de ce côté-là une desserte en transport collectif qui est déjà un peu plus avancée parce qu'après, dans nos autres MRC, ça fonctionne souvent que c'est la MRC qui est en lien, une MRC plus rurale. Donc, on va vraiment à des plus petits moyens là, pour développer du transport collectif. Finalement, on voit aussi que dans les dernières années, vous avez ici une carte qui ne se veut pas vraiment compréhensible, mais en fait, c'est comment avant, les gens se déplaçaient beaucoup vers Montréal pour aller travailler. Donc, tous nos transports en commun ont été pensés à amener le monde à Montréal. Maintenant, on voit vraiment là, une diversification des lieux de travail ou des déplacements. Donc maintenant, c'est 52% de notre population et ça, c'est seulement de la couronne sud. On n'a pas les données pour toute la Montérégie, mais qui se déplace à l'intérieur pour travailler, ce qui complexifie aussi maintenant beaucoup les transports collectifs.
je voulais amener un peu la dépendance à l'automobile. Donc, j'ai fait un peu pour ce qu'il y avait de 2016, là, dans la province de Québec, sans compter Montréal, parce qu'à Montréal, on diminue beaucoup la moyenne provinciale. Mais si on compte tout, sauf Montréal, on est à 82% de la population qui travaille et qui fait le navettage entre domicile et travail en auto-solo. Donc, et voilà, donc nous, on a seulement deux MRC qui est sous cette moyenne-là. Le reste, on est quand même vraiment de grande proportion très importante qui reste en auto-solo pour aller au travail. Et ça, c'était avant la pandémie. D'autres choses sur le parc automobile, mais justement, comme Fanny mentionnait, la popularité des véhicules utilitaires sport, des camions légers, et ça l'explose encore chez nous. Donc, plus de la moitié des véhicules en 2019 étaient ces véhicules-là. On a une moyenne de 1,6 véhicules par ménage. Donc, et ça, c'est sans compter tous ceux qui sont capables d'aller sans véhicule, mais ça fait une moyenne qu'on est presque à plusieurs endroits, on a 2 à 3 véhicules par ménage. Aussi, une chose qu'on peut voir, là, les MRC ou l'agglomération qui sont desservies déjà par des transports collectifs, il y a significativement une part modale, une grande part modale. Donc, il y a d'autres MRC qui ont un autre système de transport collectif, mais ceux qui sont desservis par EXO et la RTL, donc qui est même en direct souvent ou en temps réel. Donc, on voit vraiment que ça a un impact sur les gens qui le prennent. Puis dans les autres, ça, je trouvais ça intéressant. Juste dans les autres MRC qui ont moins de transports collectifs, la marche est la plus populaire après l'automobile. Notre électrification des véhicules semble bonne. Donc, on est la deuxième région. Puis ça l'augmente de plus en plus aussi là, de ce côté-là. Je ne veux pas revenir un peu sur toutes les orientations et les cibles, mais en fait, vous voyez le titre qui est « Du pain sur la planche ». Ça dit aussi qu'en Montérégie, même si on a une population qui est quand même densément peuplée là, à certains endroits, que malgré ça, on n'arrive pas à avoir 4 services de mobilité durable pour 70% de notre population. On l'a vu, diminution de 20% de la part modale, là, ça va être du sport aller là-dedans. On se sent aussi, c'est une région qui est quand même très responsable là, pour les coûts associés à la congestion pour la région métropolitaine de Montréal. Finalement, je voulais juste amener aussi que le changement d'habitude, puis ça ressemble un peu aussi à la courbe que Fanny a montrée avec... oui, on se prépare, on est prêt, mais le changement d'habitude, c'est aussi une panoplie d'émotions qu'il faut aller à travers pour vraiment réussir ce changement-là. Puis, ça va être un choix collectif individuel. Donc, il y avait la semaine passée dans le devoir, là, le Centre universitaire de recherche et analyse des organisations, qui démontrait que même dans les 3 dernières années, on a eu un gain important de Québécois qui considèrent maintenant les changements climatiques vraiment comme un risque. Mais quand on leur demande de faire des actions concrètes, surtout en mobilité, c'est vraiment très frileux. Donc, il va falloir vraiment amener plusieurs mesures, comme on a vu, comme Fanny disait, pour amener que ce soit un choix individuel, peut-être par rapport au coût, peut-être par rapport aussi à la santé, peut-être par rapport à plein de choses, mais aussi qu'il va falloir toujours penser que c'est un choix collectif aussi, collectif, autant de penser à dépasser sa personne et de penser aux autres quand on choisit un moyen de transport, mais aussi un choix collectif d'investir dans les places qu'on veut. Et ça, mais là, c'est pas tout négatif, donc je voulais justement vous amener, on fait plein de projets, on est quand même nouveau en mobilité durable, là, je vous dirais. Donc, on développe des projets. Donc, pour ma mobilité, je m'active. Le titre le dit, on travaille en mobilité active, qui est comment créer une discussion sur c'est quoi les solutions que les utilisateurs et les planificateurs peuvent développer ensemble? Stationnement éco-responsable aussi, donc on s'assure qu'on ne donne pas juste de la place à l'auto, mais qu'on amène aussi
les mobilités durables dans un stationnement, donc on peut s'y rendre de d'autres façons que juste l'automobile. Puis on a aussi un partenariat avec le Centre de gestion des déplacements pour pousser des plans de gestion des déplacements dans des entreprises, donc à travers un parc industriel. Premièrement, avoir les données de où se déplacent les employés. Puis on pense qu'il y a aussi un grand momentum en ce moment là parce que nos entreprises ont de la difficulté à recruter et la mobilité fait partie aussi de la solution du problème. Voilà. Un des projets que je voulais parler, c'est Embarque Montérégie. Donc, Embarque Montérégie, comme je vous ai dit, notre territoire est scindé, donc c'est super facile dans le coin de la RTM, qui est desservie par EXO et RTL, de connaître nos options de mobilité durable. Mais quand on arrive à d'autres places, c'est très difficile. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a créé embarquemontérégie.ca. Puis, c'est une plateforme web qui donne l'accès à l'information de comment où je me situe, c'est quoi qui est accessible. On crée aussi, on veut faciliter le covoiturage parce qu'on croit que dans les milieux ruraux, il y a aussi le covoiturage qui va jouer un grand rôle. Donc, on fait, comme il se fait beaucoup en France, au Vermont, en Ontario, un réseau de stationnement qui est réservé à des covoitureurs. Donc, au lieu de faire le détour au troisième rang pendant 20 minutes pour prendre quelqu'un, on se ramène à la grande route, on fait le bout du chemin ensemble. Puis après, on parle aussi beaucoup de sensibilisation. Bon, ça, c'est la plateforme. Je vous invite à aller la voir. Aussi, à chaque mois de septembre, on s'est donné comme mission de faire un répertoire des initiatives inspirantes en Montérégie sur les transports, pour nous rappeler qu'on n'est pas seul à travailler sur les transports. Trajectoire est avec nous. Mais il y a plusieurs groupes citoyens, il y a plusieurs MRC, là, dont deux MRC qui étaient au gala de Guy Chartrand, donc la MRC Pierre de Sorel et la MRC du Saint-Laurent. Puis, donc voici. Puis, juste pour vous laisser ce qui s'en vient, l'arrivée du REM, donc j'ai parlé qu'on ne veut pas tout le temps des transports vers Montréal. Le REM, c'est bon, on en a besoin depuis longtemps. Puis ce que le REM va amener, c'est aussi, par exemple, puis ce qu'on met beaucoup d'espoir, c'est de ramener le transport collectif un stop à Brossard, qui est beaucoup moins loin de Montréal. Donc maintenant, notre axe Est-Ouest va être vraiment plus facile pour faciliter justement ces déplacements qui sont un peu plus éclatés. EXO qui est arrivé, qui consolide vraiment là, tout ce qui est dans la couronne sud, le transport et qui fait aussi beaucoup de consultations publiques pour adapter son transport. Puis on a beaucoup, comme je l'ai dit, des MRC qui se mettent en action pour développer du transport collectif de différentes façons. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui se déploient. Puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Voilà. Merci beaucoup, Judith. On va faire vite. On a peu de temps pour des questions. Il y en a plusieurs qui sont rentrées. Donc, je vais prendre des questions qui sont arrivées pendant la présentation de Mme Tremblay-Rasco. Donc, Fanny, j'imagine que c'était pour vous. Est-ce que la demande induite pourrait aussi fonctionner à l'envers? Si, par exemple, on enlève des voies de circulation, est-ce que ça viendra réduire le trafic? Moi, j'aurais envie d'ajouter à ça. Est-ce que la demande induite, elle fonctionne aussi en transport collectif? Si on ajoute du transport collectif, est-ce que nécessairement il y a un plus grand intérêt? Donc, effectivement, la demande réduite, ça existe. Donc, le phénomène inverse est vrai. C'est les mêmes phénomènes qu'on observe. Puis, on l'a vu cet été avec la fermeture du pompière de la porte. Pendant l'été, les gens, ils sont adaptés. Donc, effectivement, la demande réduite. Puis, pour ce qui est des transports collectifs, augmenter la demande, ça fait augmenter l'offre. On l'a vu avec la politique précédente à la PMD actuellement. Donc, on a augmenté l'offre de transports collectifs et ça a fait... On a vraiment atteint les cibles d'augmentation de la demande, donc ça a été positif là aussi. Par contre, il ne faut pas penser qu'on va réduire la congestion avec le transport collectif là, à long terme. Là. Donc, il n'y a rien pour réduire la congestion, il n'y a pas de solution, il ne faut pas essayer de la battre. Là. Elle va toujours revenir, peu importe. Mais oui, effectivement, oui aux deux questions. D'accord, merci. Il y avait d'autres questions. Laissez-moi une petite seconde. Il y avait une question en fait sur l'autopartage. Il y a la seule offre qu'il y a au Québec, c'est Communauto qui évidemment s'implante où c'est suffisamment dense, où ça va être donc rentable. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel là, d'aller chercher des gens avec de l'autopartage?
Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer parmi vous. Elle n'est pas adressée à quelqu'un en particulier. Tiens, tu opines, vas-y. Ah, j'ai envie de me lancer là parce que, par exemple, j'ai ma mère moi, qui vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il y aurait. C'est le genre de ville où on est à une certaine distance de Montréal. Il y a un trajet en bus qui se fait jusqu'à Montréal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui veulent rester dans la ville? Puis qui. Je regardais l'enquête origine-destination pour voir les déplacements, ils se font où? Ils se font surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ne font pas Saint-Jean-sur-Richelieu-Montréal. Il y aurait tellement de possibilités pour avoir une petite flotte de voitures partagées à des points névralgiques de la ville. Encore là, c'est de voir c'est quoi le modèle d'affaires. Est-ce que ça peut être conforme à des plus petites villes? Ce serait fondamental, ce serait très intéressant d'avoir ça si ça se conjugue avec un réseau structurant de transport collectif. Donc, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir une ligne de tramway, par exemple, dans certaines villes, sur un axe, l'axe où il y a le plus d'emplois, puis le plus de transports, de résidences. Je pense qu'il faut conjuguer l'autopartage et le transport collectif et la marche. Merci. Fanny, est-ce que tu voulais ajouter? Fanny, j'ai dit Fanny, mais je parlais de Judith, je t'ai vu bouger. Oui, ouais, excuse-moi. Mais je voulais juste dire, il existe déjà différentes formules qui sont, même en Montérégie, par exemple, puis qu'on garde nos yeux dessus. Juste dire aussi, il y a Turo qui existe, qui est vraiment entre particuliers. Donc, plus qu'il y a de gens qui mettent sa deuxième voiture qui dort pendant la journée ou la journée que vous êtes en télétravail, mettre votre voiture à l'utilisation de d'autres. Plus qu'il y a de gens qui vont l'utiliser, plus ça va être connu. C'est un modèle plus citoyen, si on veut, là. Sinon, on parle de choses. On a des municipalités, nous, qui ont exactement, je viens voir Sauvé, exactement. Donc, Sauvé qui est dans quelques petites municipalités aussi, là, on parle en Montérégie. Donc, c'est d'avoir des véhicules électriques, des fois, pour les fonctionnaires ou les gens municipaux qui mettent après les voitures en libre service aux citoyens, ce qui peut éviter justement d'avoir une deuxième auto juste pour les deux, la danse et le hockey, là, qui est en même temps le samedi matin. Puis l'autre chose aussi, Communauto fait justement, c'est un peu à Longueuil, mais il y a aussi justement des projets pilotes, on en parlait tantôt, des projets pilotes qui se font pas en Montérégie, mais qui se font ailleurs et on regarde ces options-là. Donc, il en existe. Là, je vois Locomotion qui est dans Rosemont, mais oui, il en existe, puis on garde nos yeux, puis on essaie aussi d'amener ça aux municipalités. Là. Super, merci. Réponse très complète. Il y a très peu de temps, je vais essayer d'amalgamer plein d'affaires en même temps. Donc, on a parlé de la question du financement, on a parlé de l'électrification des transports qui finalement nuit au financement, qui vient pas répondre aux enjeux d'aménagement du territoire notamment et d'efficacité de nos transports. Quelles sont les solutions? Comment on fait pour que tout n'aille pas en électrification de la voiture individuelle? Est-ce qu'on peut mettre fin ou comment on peut mettre fin à la publicité automobile qui fait vraiment la promotion d'un mode de vie auto-solo et qui amalgame possession d'automobile à liberté à peu près? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Puis même chose, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour répondre à l'enjeu du financement qui va s'accroître avec l'augmentation de l'électrification du parc automobile? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. J'ai mis beaucoup de choses dans cette question, je sais. Étienne, vas-y. Ben oui, oui, une possibilité. Mais tu sais, on parle depuis tout à l'heure de stratégie de mobilisation. Il faut toucher à la psychologie individuelle. C'est sûr que quand tu reçois 5 000 du fédéral, 8 000 du Québec pour acheter une voiture électrique, hey, ça, c'est très convaincant, tu sais, d'acheter une voiture électrique. Par exemple, si on veut convaincre les gens de faire du covoiturage, ben pourquoi il n'y aurait pas un incitatif pour faire du covoiturage pour récompenser le conducteur, puis récompenser l'argent qui va récompenser le conducteur qui va faire embarquer quelqu'un dans sa voiture et la personne qui va laisser sa voiture chez elle pour embarquer avec quelqu'un d'autre. Il y a tous les partis politiques, à la dernière campagne électorale en 2018, avaient dit qu'ils allaient mettre des incitatifs financiers pour encourager le covoiturage. Bon, il y a la pandémie qui est arrivée, puis là, les gens n'ont pas trop envie de se mettre ensemble dans des voitures nécessairement, mais pensons à l'après-pandémie. Pourquoi on n'aurait pas un système de covoiturage avec un espèce de financement, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 $ pour chaque fois qu'un conducteur embarque quelqu'un dans sa voiture? On regarde c'est quoi les montants qu'on devrait avoir à la grandeur du Québec. Il y aurait certainement moyen de venir combler tous ces sièges vides qui circulent dans la grande région de Montréal. On les estime à 25 millions à chaque année, selon une étude il y a quelques années. Donc ça serait une solution.
Peut-être en une minute, Madame Tremblay-Rascot, la solution, quelle solution on doit mettre en œuvre pour réduire le problème du financement de la mobilité? Quelle devrait être la nouvelle source de financement? Ben, c'est certain que là, le comment ça s'appelle, le chantier là, sur le financement de la politique de mobilité durable qui est sorti hier. Donc, c'est un résumé des résultats. Puis, on dit qu'on va analyser, qu'on va analyser, qu'on va analyser, alors qu'il y a déjà des consensus qui semblent émerger pour le financement, notamment indexer la taxe sur l'essence. Donc, ça a un impact aussi sur l'utilisation de la voiture, là. Donc, c'est un élément dissuasif, là. C'est vraiment de l'écofiscalité. Aussi, la taxe kilométrique, au moins pour le camionnage, il y a un consensus qui semble émerger. Donc, au lieu de, oui, d'un côté, il faut analyser les solutions qui sont mises de l'avant, là, dans le chantier, mais aussi, il faut déjà commencer la mise en œuvre de certaines mesures qui font consensus, selon moi. Puis, il y a des municipalités, par exemple, qui veulent avoir une partie de la taxe sur l'essence ou une partie des revenus sur l'immatriculation, mais il faut leur permettre là, de le faire. Il ne faut pas continuer toujours à essayer de chiffrer puis analyser. Il faut passer en mode action, selon moi. Parfait. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On manque toujours un peu de temps. Merci à vous trois, chers panélistes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous nos participants. Pour ceux qui auraient voulu en savoir plus, savoir davantage, je vous invite à suivre notre site web, nos réseaux sociaux. On a une autre conférence dans cette même série qui aura lieu le 25 novembre prochain. Donc, on vous invite à être là. Si vos questions n'ont pas été répondues, vous aurez une deuxième chance. La conférence ne sera pas tout à fait pareille. On va s'intéresser surtout à la région de l'Estrie. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.